La période commémorative elle est particulière parce que, de manière globale, la société a tendance à centrer son attention sur le travail, sur le passé. Et effectivement, c'est associé à une recrudescence de manifestations, de ces crises traumatiques où les gens revoient exactement la scène du génocide. Ils tentent de fuir, il y en a qui tombent par terre, d'autres qui n'arrivent plus à bouger la jambe. C'est une période particulière, c'est presque comme si ce qui est vécu psychiquement, le reste de l'année, il est projeté sur un espace public. Les 10 dernières années, on a toujours reçu sur la semaine 17 au 13 avril autour de 3000 personnes affectées par ces crises à travers le pays. Et aujourd'hui, quand il va y avoir une commémoration, à chaque lieu, il y a une équipe d'encadrement psychosocial qui permet de recevoir ces gens et puis aussi d'engager un travail à long terme. Parce que ce qui est exprimé sous forme critique, c'est aussi une demande d'écoute, une demande d'accompagnement.